ou si c'est toujours une filiale des Salines du Midi, je ne sais pas. Hein. Mais bon, de toute manière, au départ, c'est les Salines du Midi qui, petit à petit, avaient monté ce vignoble. Et bon, ils en ont fait sûrement une chose à côté. Mais je pense que quand même, c'est resté bien français. Hein. Parce que, bon, moi, connaissant tout ce qui est viticulture, surtout chez eux, je discutais beaucoup avec tout le monde quand j'allais là-bas. Et à Aigues-Mortes, hein, vu que c'est la base là-bas de ce qui est du distel, même s'il y a des parts qui sont passées un peu côté américaine et qui sont revenues françaises, hein, c'est vraiment resté toujours purement français au départ. Voilà, retour Michel. Je n'ai pas entendu quand tu m'as repassé le micro. Non, Bernard, je ne vois pas qui c'est là. Il y a un petit peu de QRM, il y a des stations qui ont appelé. Dis-moi, c'est son indicatif, s'il te plaît, de l'ami Bernard là. Je vois. Sur le moment, ça ne me dit rien là. Dis-moi son QTH et son indicatif, ça va m'aider. 16 Tango Echo 069, par réfraction Delta Bravo Foxtrot, de 14 Victor Lima 404. Et un QSO là, merci. Par une autre station, hein. Il y a plein de gens qui appellent, mais c'est pas grave, il y a tellement de monde, donc je salue tout le monde sans problème là. Voilà, Ludo, ça passe bien en tout cas, tu vois, ça fait deux jours de suite qu'on fait le QSO, là, donc la propagation elle y est, elle y reste. Hein. Voilà, Ludo, retour. Frédéric, Frédéric, pour le Sud France, les 73-51, Frédéric, à toi. Ok Frédéric, peux-tu passer sur la fréquence 27420, Frédéric? Tiens, tiens, la fréquence, le sud-est de la France, Marseille, à l'écoute. Je suis un petit peu clair rue là, je sais pas quoi raconter. Tu me diras combien j'arrive là maintenant chez toi. Fabien, eh bien je vais te laisser aller continuer tes profiter de la propague pendant que tu es arrêté au bord du lac là pour essayer de faire quelques petits contacts et puis te souhaiter bien sûr à l'ensemble de ton cuirail et à toi-même les meilleures salutations de Robert Narbonne. Voilà, retour micro.